Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'épisode numéro 2 de la caverne de Monsieur le V12. Aujourd'hui, je suis accompagné de Gotaga. Je ne sais pas si vous connaissez Gotaga, mais je vais le laisser se présenter. Salut Gotaga. Salut à toi Karine, merci à toi de m'avoir invité, c'est vraiment sympa. Et je suis content avec toi, je te laisse annoncer à nos... Présente-toi d'abord. Ah, tu me présentes d'ailleurs. Bon alors oui, parce que forcément il y en a beaucoup d'entre vous qui ne me connaissent pas. Donc je suis Gotaga, j'ai commencé YouTube il n'y a pas très longtemps, je suis un joueur compétitif depuis plus de 5 ans. Pour me la péter un peu, je suis actuellement joueur français depuis titré sur Call of Duty. Et puis voilà, en gros, grosso modo, c'est ma présentation. Voilà, c'est fini. Alors pourquoi j'ai invité Gotaga? Certains vont se demander mais pourquoi il l'a invité alors que dans temps normal, ses cavernes, il les fait toute seule. Que veux-tu, petit être? Je crois que Sian veut aussi participer au comparatif. Ouais. Alors, je vais vous expliquer simplement. Aujourd'hui, la caverne de Monsieur V12, le sujet de la caverne de Monsieur V12, ce sera le comparatif entre Scuf et Burn. Alors, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. En gros, je vais vous présenter deux manettes, comment on peut qualifier, de manettes compétitives, des manettes... À la base, enfin, en tout cas pour Scuf, c'était pour la compétition. Mais c'est clair que maintenant, vu qu'ils sponsorisent des youtubeurs, ça fait pas mal de bruit. Et maintenant, ça atteint un stade... on va dire que peut-être un joueur sur trois a une scuff, en tout cas en Amérique. Mm-hmm. Franchement, je pense qu'un joueur sur trois a une scuff, c'est quand même... C'est vachement répandu chez nous. Ouais, franchement, oui, ça s'est répandu, un truc de dingue. Ça commence à venir en France, et du coup, il y a aussi Burn qui vient d'arriver. Voilà, on va vous présenter tout ça, et je pense que vous allez pas mal aimer. Voilà, alors pourquoi j'ai invité Gotaga? Si j'ai invité Gotaga, c'est tout simplement parce qu'il a été sponsorisé pendant un an par Scuff. Et c'est en fait dans un souci d'impartialité. Je voyais déjà de là certains rageux en train de me dire « Ouais, Monsieur V12, il est ambassadeur Burn, et il parle que de la Burn en bien, en descendant un peu Scuff. » Pas du tout. Je vais vraiment être le plus impartial possible, mais vraiment, j'espère que vous me croyez vraiment sincère et objectif. Et j'ai tenu à inviter quelqu'un qui justement a joué pendant très longtemps avec une Scuff, qui lui aura sa propre expérience de jeu avec cette manette. Tu certifies bien que tu as joué pendant très longtemps avec. J'ai joué très longtemps avec la Scuff et je viens de découvrir la Burn aujourd'hui par toi. Mm-hmm. J'ai pu tester et c'est clair que je pense que vous allez pas mal aimer. Hein. Franchement, moi qui ai joué un an avec Scuff, j'ai été assez surpris de voir cette manette. Ce nouveau produit qui risque, oui, à mon avis, de pas mal bousculer Scuff, même si Scuff reste le leader actuellement. Je pense que Burn a de quoi bousculer un petit peu Scuff. Alors tout de suite, je voulais faire une sorte de petite intro qui selon moi est nécessaire au vu des commentaires que j'ai pu avoir dans ma dernière vidéo. Le tuto c'était comment avoir la mob en mêlée générale, où justement je présentais ma manette qui était une Burn, et j'ai eu énormément de commentaires négatifs des personnes qui me disaient que j'étais pas quelqu'un de méritant, que c'était une manette abusée, qu'elle pouvait limite s'apparenter à une rapid fire, enfin plein de commentaires vraiment très négatifs, et je pense que l'intro de ce comparatif est selon moi extrêmement important. J'aimerais déjà premièrement soulever des problématiques à mon avis qui sont très intéressantes à soulever, mais surtout répondre à pas mal de questions. Alors première chose que j'avais à vous dire par rapport à ces fameuses manettes, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans ma vidéo il y a beaucoup de joueurs PC qui ont pris ma défense et je tiens à vous remercier. C'est vrai que j'ai tendance peut-être à vous négliger, je ne vais jamais sur le support PC et c'est vrai que j'en suis un peu désolé parce que je n'ai pas forcément le matériel pour. Mais vraiment, il y a pas mal de joueurs PC qui m'ont défendu et qui m'ont dit « Attendez, nous, sur PC, on a des souris qui sont vraiment construites expressément pour les FPS. On a pas mal d'accessoires qui nous permettent justement d'avoir une expérience de jeu beaucoup plus agréable. Et donc, je vois pas pourquoi vous, joueurs PC, vous n'auriez pas le droit aux mêmes avancées technologiques. » Et donc, j'ai eu pas mal de joueurs PC qui m'ont défendu là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas illogique. Et pourtant, je pense que chez les joueurs PC, il n'y a pas tout ce vacarme juste parce que des youtubeurs comme moi, et toi, je crois qu'on a carrément eu un commentaire sur ta vidéo. Ta vidéo, d'ailleurs, je t'en veux pour ça, parce que depuis, il y a des gens qui viennent, ils font « Ouais, Gotaga, tu fais des double bugs et tout, mais c'est sympa, mais essaie d'en faire une sans scuff. » Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, c'est vrai que ça a créé une sorte de polémique. Sur Twitter, il y a eu pas mal de personnes qui ont échangé là-dessus. J'ai vu ça. Et donc il y avait du bon et du moins bon, et je pense que l'introduction de ce comparatif est important. Donc voilà, il y a une chose aussi qui selon moi est importante à dire, c'est que lorsque vous avez une Burn ou une Scuff, ce n'est pas considéré comme de la triche, dans le sens où on n'ajoute pas
de boutons. Exactement. C'est-à-dire que en gros, on a simplement des boutons qui sont déplacés et qui sont placés à des endroits qui sont plus ergonomiques, si on peut dire ça comme ça. Et donc, selon moi, c'est pas du tout de la triche. Pas comme certains l'ont dit, où justement une Burn-Unscuff s'apparente un peu à une Rapid Fire. Je vous rappelle qu'une Rapid Fire, c'est un petit composant électronique que l'on intègre dans la manette et qui vous permet de tirer à une cadence beaucoup plus rapide. Justement, une Burn ou une Scuff ne fait pas du tout ça. Une Scuff ou une Burn ne vous propose simplement d'accomplir des actions identiques aux autres boutons standards, mais à des endroits qui tombent plus facilement sous la main. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs compétitifs qui ont... Parce que la Scuff est arrivée il y a plus d'un an quand même. Mm-hmm. À la base, c'est les joueurs compétitifs qui l'ont fait connaître, vu que c'était destiné à ça. Et il y a beaucoup de joueurs compétitifs qui ont préféré reprendre une manette normale parce qu'ils n'arrivaient pas forcément avec la Scuff. Il faut dire un truc, c'est que c'est pas parce que les boutons sont déplacés ou quoi que c'est plus facile et que c'est facile d'utilisation. C'est aussi dur que, par exemple, tu m'avais dit un exemple de fois, par exemple quand tu joues par défaut, que tu veux passer en tactique, bah, c'est un temps d'adaptation qu'il faut prendre et c'est pareil avec Scuff, c'est très dur. Et je sais que beaucoup préfèrent jouer avec une manette normale qu'une Scuff tout simplement parce qu'ils n'y arrivent pas forcément. Il y en a beaucoup en compétition qui sont comme ça, bah, moi pas, mais... Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, hein, ça c'est quand même une chose qui est important selon moi de notifier. Il ne faut pas oublier que des fabricants comme Sony ou comme Microsoft, lorsqu'ils vous proposent leurs manettes, c'est des manettes qui se doivent d'être polyvalentes, c'est-à-dire s'adapter aussi bien à des jeux comme des jeux de voiture, comme des jeux d'arcade ou comme des FPS, et forcément, ce n'est pas vraiment une manette adaptée pour nous, joueurs FPS. Et du coup, pourquoi se priver d'une avancée technologique, qui est la Scuf ou la Burn, ou peut-être un autre fabricant qui arrivera un jour pour concurrencer justement ces deux-là, pourquoi pas justement s'adapter, pourquoi pas acquérir justement cette nouvelle technologie et justement améliorer notre expérience de jeu. J'ai pas trop compris la polémique que ça a pu créer. J'ai pas trop compris pourquoi certains restaient très fermés. Et ça, je pense que toi tout à l'heure, pour en avoir parlé, tu me parlais beaucoup que En Amérique, par exemple, Sandy Ravage. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, surtout si vous suivez Karim, vous devez le connaître, Sandy Ravage. Il a été sponsorisé il y a quelques mois, je crois, par Scuf. Il en a fait la promotion. Et il y a beaucoup d'Américains qui jouent avec, du coup. Et personne ne se plaint, personne ne le traite de tricheur parce qu'il joue avec une Scuf, tout simplement. Et je ne comprends pas pourquoi ça fait polémique en France. Enfin, pas partout le monde, on vise bien sûr une minorité, mais bon, c'est clair que c'est pas de la triche, quoi. Non, c'est pas de la triche. Après, voilà, je n'espère pas vous faire totalement changer votre avis. L'intérêt, c'est l'échange entre les abonnés et le youtubeur. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec ma façon de penser, ou même à la façon de penser de Gotaga ou d'autres youtubeurs qui, eux, jouent avec la Scuf ou la Burn, on peut pas vous en vouloir. L'idée, c'est que, voilà, on a chacun nos avis. Je respecte votre avis. Vous trouvez que c'est pas forcément méritant. Voilà, après, je le respecte, mais je le comprends pas forcément, parce que bah, je trouve que si on a des nouveaux outils à disposition, autant les utiliser. Mais bon, respectez aussi le fait qu'on joue avec ce genre de choses et qu'en aucun cas c'est abusé, qu'en aucun cas ça nous rend les choses beaucoup, beaucoup, beaucoup c'est plus clair, faciles. C'est clair. Bah, moi, pour exemple, la LAN que j'ai gagnée, la plus importante avec le plus gros cash prize et tout ça, j'avais pas de scuff, alors pourtant beaucoup d'adversaires avaient des scuffs. Hein, c'est pas ça qui va forcément te rendre meilleur. C'est clair que ça peut aider, mais ça te rend pas pour autant meilleur. Et puis, si sincèrement, ça peut forcer les gens qui ont tendance à être un peu trop statiques, à être plus en mouvement, ça améliorera grandement le multi. Ça, je pense que toi qui fais beaucoup de live où tu tentes plusieurs mobs, combien de fois tu peux te faire casser des séries juste parce que tu as un joueur qui est planqué dans un coin. Si tu pouvais tomber plusieurs fois sur des gens qui étaient plus mobiles parce qu'ils auraient plus confiance en eux et qui se sentiraient plus à l'aise avec une burn, avec une scuff, pourquoi pas, si on peut avoir à peu près le même niveau que les Américains. Mais c'est vrai qu'on est un peu pris pour des rigolos, hein, nous les francophones, c'est par clair, rapport c'est aux clair, Américains. C'est clair, franchement, ouais, c'est clair. Et justement, peut-être qu'avec ces manettes, si la communauté la dote, on va dire, on pourra peut-être rattraper en quelque sorte
nos rivaux. Enfin, je sais pas si on peut dire ça. D'ailleurs, j'ai un petit clin d'œil à faire à un Twitterman qui, lorsque j'ai présenté la Burn, s'est empressé de créer un tuto, un topic, excusez-moi, sur un site, en disant que, à cause de moi, justement, le live allait être rempli de Kikou qui allait jouer justement avec des Skef ou des Burn. Et pourtant, d'autres ont dit, si ça peut permettre justement d'osser un peu le niveau de jeu et qu'on arrête, nous, francophones, de nous prendre pour des nous, bah pourquoi pas, mais en tout cas c'est mon avis, et donc voilà, on le partagera peut-être pas tous, si c'est pas le cas, bah tant pis, au moins ça prouvera bien que les abonnés ne suivent pas aveuglément les youtubeurs, et personnellement ça me fera tout autant plaisir, mais bon voilà. Et maintenant, pour terminer vraiment cette petite introduction qui selon moi était nécessaire, je voulais parler aussi du plagiat. Il y a plein de personnes qui ont dit oui, Burn est en train de plagier Scuf a un brevet. Alors, que l'on soit bien d'accord, pour être ambassadeur Burn, pour avoir un contact étroit avec le fabricant, avec le directeur, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun brevet. La personne, vous croyez sincèrement qu'elle va investir des milliers d'euros pour justement lancer son entreprise sans s'être, se faire des études pour savoir justement s'il n'y avait pas un brevet. Il n'y a aucun brevet déposé par Scuf. Les palettes, ça fait très longtemps que ça existe. Alors Scuf les a intégrées à des manettes, excusez-moi, mais ça fait très longtemps que ça existe. Donc en aucun cas, aucun autre concurrent ne peut se lancer sur le marché. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, faut arrêter de tout de suite crier au plagiat, tout de suite crier au scandale. Comme par exemple Pepsi et Coca-Cola, ils ont tous les deux le droit d'être sur le marché. Le packaging est totalement différent, donc c'est à peu près la même chose avec Burn. Les palettes Burn ne ressemblent en aucun cas aux palettes Scuf, excusez-moi. Et donc de toute façon, vous allez pouvoir vous en rendre compte pendant le comparatif. C'est totalement différent. C'est beaucoup plus recherché chez Burn. Donc de toute façon, je vais m'étendre un peu plus là-dessus pendant le comparatif, simplement que s'il y a un autre concurrent, on est bien d'accord que ça va forcément, pour nous consommateurs, améliorer les choses. On va avoir deux concurrents qui vont se battre pour être, on va dire, leader. Et donc du coup, ils vont se faire une guerre des prix. Ça, c'est très intéressant pour le consommateur. Ils vont forcément devoir innover et apporter tout le temps des choses un peu nouvelles. Et ça, c'est vraiment très bon pour nous, les consommateurs, nous, les joueurs. Donc voilà, il faut arrêter de se prendre la tête. À moins que vous ayez des parts chez Scuf ou chez Burn. Moi, en tout cas, j'ai pas de part chez Burn. Je suis juste ambassadeur, c'est-à-dire que je suis partenaire privilégié. En gros, voilà, j'ai le droit à des petits privilèges. Mais ça ne me place pas, on va dire, comme défenseur de la Burn. Si, par exemple, la Burn a un souci, si la Burn a un défaut, je serai le premier à le dire. D'ailleurs, vous allez voir que dans le comparatif, je vais être totalement sincère, il y a quelque chose qui ne va pas sur la Burn. C'est un détail pour moi, mais qui a son importance, et d'ailleurs je vais le notifier, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment être le plus... Tu rigoles parce que pour toi c'était pas aussi important que moi. Au passage, moi je connais Burn depuis aujourd'hui, c'est Karim qui m'a présenté. Je suis un fier défendeur de Scuf depuis un an. Non mais je pensais pas qu'on pouvait en quelque sorte rivaliser avec Scuf, et c'est clair que Burn a mis la barre très haute, donc vous allez le voir durant ce comparatif. Avec nous, voilà, tout simplement. Voilà, bon, on va peut-être arrêter un peu le blabla et un peu rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on va stopper cette fameuse introduction, mais comme je le répète, qui était nécessaire pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et maintenant, nous allons commencer justement ce fameux comparatif. Alors maintenant, on va vous parler à proprement dit du comparatif. Donc pour commencer, on va comparer la manette Scuf PS3 et la manette Burn PS3. Donc pour vous présenter la manette Scuf PS3, qui est mieux placée, que Gotaga pour en parler. Donc je t'écoute, mec. Bah écoute, donc je vous parlais de la Scuf. Alors, bon déjà, il faut savoir qu'ils ont sorti la manette Scuf Xbox en premier, donc ça c'est mieux après, faut le noter quand même. Et donc déjà, ils ont voulu... Donc je vais vous montrer quand même devant la caméra. Alors, fais-nous voir. Faut bien que, je sais pas si vous verrez bien. En gros, ils ont essayé d'ajouter un petit truc en fait pour que la gâchette n'aille pas jusqu'au fond. Donc ça permet de, en quelque sorte, d'augmenter ses réflexes que je ne trouve pas forcément utile sur PS3, sachant que c'est pour balancer les grenades
et les Flash et Saint, enfin les Flash et les Stun. Donc moi je trouve pas ça utile à part si vous avez changé vos touches, c'est-à-dire que vous tirez avec les gâchettes du bas. Donc voilà, donc ensuite il y a la personnification de la manette quand même qui est assez belle, hein, faut dire ce qui est. Elle est assez jolie. Donc les palettes, si vous ne connaissez pas encore ce que je vais bien vous les montrer quand même, qui sont en Y, donc qui vont de l'extérieur vers l'intérieur. Pour l'instant petit détail, mais vous verrez que ça a son importance par la suite. Et puis voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. J'ai pas parlé du grip, donc le grip quand même c'est un point majeur pour Scuf. Franchement le grip c'est assez bien, c'est-à-dire que vous êtes, enfin vous savez, ça arrive souvent de transpirer quand tu, surtout sur les mains, et ça c'est chiant, la manette elle glisse, donc vous êtes obligé de faire ça tout le temps, et c'est clair qu'avec le grip bah, ça vous arrive plus tout simplement. Donc c'est un petit, c'est un gros point pour Scuf. Donc voilà, moi c'est à peu près tout, je pense que j'ai tout dit sur cette manette, donc je te laisse présenter tes bijoux. Alors maintenant, mes bijoux, tu te calmes quand même, cela je le laisse pour ma femme. Alors, moi je vais vous parler de la Burn, parce que franchement, non, forcément j'ai beaucoup plus testé la Burn que la Scuf. Donc comme vous l'avez vu en vidéo, lors de ma vidéo justement sur le tuto comment avoir la Moab en mêlée générale, donc vous avez présenté cette manette là. Donc par contre, tu vas me prendre le micro, parce que ce sera quand même plus d'accord, simple. D'accord, oui, j'avoue. Excuse-moi. Alors, comme vous pouvez le voir, à la différence de la Burn, vous pouvez observer que les palettes ne sont pas placées de la même manière. C'est-à-dire que sur, sur la Scuf, ils sont placés en Y, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Là, c'est l'inverse, ils sont placés de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour tenir vos manettes, moi je ne sais pas comment vous tenez vos manettes, mais moi je tiens ma manette comme ça. C'est vrai que du coup, les palettes ont tendance à arriver plus facilement sous le doigt, donc moi je trouve que la Burn est beaucoup plus intéressante de ce côté là au niveau de la palette. Après il y a aussi une chose qui est indéniable, donc c'est la personnification qui est vraiment poussée à son extrême avec les Burns. Donc vous pouvez vraiment, vous allez voir sur le site, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, donc aussi bien avoir des joysticks de couleurs différentes, des flèches directionnelles de couleurs différentes, ce qui n'est pas vraiment le cas sur Scuf Gaming. C'est pareil pour les fameux boutons Start et Select qui sont aussi personnalisables. Et aussi, vous avez la possibilité d'avoir ces fameuses douilles de balles qui amènent un petit côté un peu flashy, un peu on va dire bling bling, qui n'est pas forcément utile, mais je trouve que c'est toujours on va dire toujours assez c'est vrai que je peut-être combiner comme ça, toujours assez agréable. Aussi une chose qui selon moi est extrêmement important, ça arrivera un petit peu plus tard parce qu'en ce moment on va dire que la personne qui s'occupe de ça au niveau de Burn n'est pas disponible, était en vacances, mais dès son retour de vacances vous aurez aussi la possibilité de, comme moi, d'avoir votre nom de team ou votre gamer tag ou ce que vous voulez. Donc moi ils me l'ont mis là, mais vous pourrez facilement vous le faire mettre ici. Voilà, vous, il y aura quand même une personnification qui sera beaucoup plus importante que chez Scuf. Et ça, c'est toujours agréable d'avoir sa propre manette, une manette qu'on est sûr qui est disponible, je vais pas dire nulle part ailleurs, parce que certains auront peut-être les mêmes goûts que vous, mais du coup je trouve que cette manette là est quand même plus intéressante. Après il y a une deuxième chose, disons troisième chose, qui selon moi est très intéressant, selon là où vous mettez vos doigts. Par exemple, si vous avez du genre à jouer avec vos doigts tendus, là même si vous cliquez, même si vous appuyez à cet endroit là par exemple, au niveau, on va dire au niveau du logo Burn, bah regardez, ça clique assez facilement. Ce qui n'est pas vraiment le cas, je vais aller récupérer la Scuf, ce qui n'est pas le cas avec justement la Scuf. Regardez, écoutez, est-ce que vous entendez avec quelle difficulté j'ai justement à cliquer sur... Vous l'entendez pas, disons, vous entendez pas réellement, mais voilà, vous voyez que je suis obligé de forcer, ce qui n'est pas du tout le cas avec... Là, je suis peut-être justement là où il faut. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec les palettes Burn. Donc, elles sont plus souples. Du coup, ça permet même en ayant... Et je pense que le bouton aussi qui se situe juste en dessous, où vous pouvez voir juste là, attention que je la casse pas, en fait je pense qu'il est plus sensible, et du coup vous avez, on va dire, une sorte de, vous avez le droit à l'erreur, en gros vous pouvez aussi bien aller tout au bout, ce qui est toujours beaucoup mieux, que au niveau des petits logos Burn, et du coup vous avez vraiment le choix pour placer vos doigts. Dernière chose qui selon moi est extrêmement importante, et vraiment c'est là où la Burn
va complètement plier la SCUF. Donc le, franchement, sans aucun parti pris, je vous le garantis. Ce que Burn vient de lancer sur le marché, c'est une véritable bombe. Vous avez la possibilité de paramétrer vos palettes comme vous le souhaitez. Oui, je répète, vous avez la possibilité de paramétrer vos palettes comme vous le souhaitez. C'est-à-dire, si vous jouez à Call of et que vous avez envie de drop shot à gauche et de sauter à droite, et qu'après vous allez jouer un jeu de voiture, et que par exemple vous voulez passer vos vitesses grâce aux palettes, vous pouvez réassigner autant de fois que vous le voulez vos palettes. Ça, c'est un détail qui a vraiment son importance, parce que ce n'est pas disponible sur SCUF Gaming. Sur SCUF Gaming, vous choisissez votre paramétrage de base, et une fois que vous avez choisi votre paramétrage de base, ils vous font toutes les soudures de manière à ce que vous puissiez justement avoir vos palettes qui soient assignées au bouton que vous avez envie, et vous êtes bloqué, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer avec votre manette à d'autres jeux, du moins ça ne va pas vraiment vous être utile. Alors qu'avec cette manette-là, ça, c'est vraiment un détail qui a son importance. Vous pouvez jouer à toutes sortes de jeux et vous améliorer votre expérience de jeu grâce au ce qu'on appelle le remapping. Ils appellent ça comme ça chez Burn. En gros, ça vous permet de réassigner autant de fois que vous voulez vos palettes. Je vous ferai un exemple juste après cette séquence. Donc ça, pour moi, c'est quand même un très très gros avantage. Et ce qui me permet de dire, entre autres, hein, entre la qualité des palettes, ce qui est quand même très... très différent, vous pouvez vous observer pour les personnes qui disaient justement que Burn avait copié. Alors Burn, je pense que Burn s'est inspiré, mais on voit tout de suite qu'avec la qualité des palettes, c'est totalement autre chose. La qualité les matériaux choisis pour faire les palettes, surtout que le grip est complètement est vraiment très agréable. Ça vous permet d'avoir vos palettes carrément sous le doigt. C'est vraiment, d'un point de vue esthétique et d'un point de vue confort, c'est honnêtement, ce n'est pas pour vraiment que valoriser la Burn, mais vraiment, je peux vous garantir que sur ce, au niveau des palettes, entre une tige en plastique toute plate et une tige en fer recouverte de caoutchouc et de grip qui vous permet justement d'avoir la palette sous le vraiment agréablement sous les doigts, bah, y a un fossé. Et là-dessus, c'est clair que Burn déjà creuse l'écart, mais avec le remapping, c'est-à-dire la possibilité de reparamétrer vos palettes autant que vous le souhaitez, là c'est clairement un très gros avantage. Par contre, afin justement de vous proposer la manette la moins chère possible, Burn a décidé d'abandonner le fameux grip qui est disponible sur SCUF, c'est-à-dire le grip où justement qui améliore grandement l'expérience de jeu, où on a la manette qui reste bien bloquée dans les mains. Après, il y a, je pense, selon moi, quelque chose de beaucoup plus agréable. Ça s'appelle comment? Tu peux en parler? Je vous en parlais, en fait, c'est le Squid Grip. Donc quelque chose qui est venu récemment aussi sur le marché. Je te laisse en parler. Ouais, vas-y, je t'en prie. Et donc le Squid Grip, donc je crois... Ouais, vas-y, prends ma manette. Donc, parce que j'ai pris ma manette avec moi. Et on va pouvoir vous montrer. Donc c'est quelque chose qui est arrivé récemment sur le public. J'ai le droit de citer un youtubeur qui a fait une review, par exemple. Donc, par exemple, Capet Lebray qui a fait une review dessus pour ceux qui veulent voir ça. Et c'est clair que, en plus, c'est pas très cher, je crois que ça coûte 10€, un truc comme ça. Et franchement, c'est tout simplement énorme. Même si vous avez les mains mouillées, vous pouvez faire des tests. Il y a pas mal de reviews qui ont été faites justement sur la Squid Grip. Et ils se mouillaient complètement les mains. Et malgré ça, ils allaient sur leur manette et ça séchait automatiquement. Enfin, ça séchait, non, ça absorbait. Donc là, vous pouvez regarder. Donc voilà, vous voyez, je peux vous garantir que ça accroche parfaitement au doigt. Et c'est vraiment quelque chose qui, selon moi, peut être un complément à une manette Burn. Donc voilà, là où la manette Burn pêche, c'est-à-dire au niveau du grip, peut être, on va dire, pallié grâce à ce fameux grip, hein, tout simplement. Oui. Peut-être on verra par la suite un partenariat Burn-Squid Grip, hein, qui sait. Qui sait, pourquoi pas. Mais c'est clair que la Squid Grip, moi je la conseille vraiment sur les manettes, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Mmh. Bon, après c'est clair que du coup vous allez me dire, mais du coup ça monte à combien la facture totale entre la manette plus le grip? Je vous l'accorde, c'est clair que ça représente un certain budget. Mais bon... Non, mais nous on est là, vous inquiétez pas, on vous fera des concours et tout. Non. Voilà, on vous en fera gagner plein, même si les concours ne sont pas spécialement bien vus, parce que du coup ça permet de fidéliser
les abonnés. Sans citer personne. Sans citer personne, bien sûr. Exactement. Alors, il y a aussi une dernière chose que je voulais vous parler. C'est un détail, c'est clair et net que c'est un détail, mais pour moi, ça a son importance. Je peux te redonner le micro pour que tu puisses. Oui, bien sûr. Merci, c'est très gentil de ta part. Regardez le câblage qu'ils vous proposent avec la burn. Donc, on le verra peut-être pas forcément très bien. Mais regardez, le câble, ici c'est mieux, le câble USB, excusez-moi, petit bug, le câble USB est blindé, et franchement, il est d'une très 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 bonne qualité, avec... Très grosse longueur aussi, tu peux le dire. Ouais, voilà, il est très très long, franchement, il est très très long, avec finition plaqué or, donc tout ça, c'est pour vraiment améliorer la connectivité, mais vraiment, il s'en mêle pas, ça c'est quand même une chose qu'on a tendance un peu à être exaspéré quand on a plein de manettes. Regardez, là, ça s'en mêle pas, ça se démêle très facilement. Vraiment de très très bonne qualité ce câblage, c'est la première fois que j'en vois un comme ça, je pense que c'est pareil pour toi. Ouais, c'est... Bah, j'en avais comme ça mais en optique, enfin des... On voit pas, oui. Excuse-moi. J'en ai... Pour des manettes, non, j'ai jamais vu. Après, c'est clair que pour des casques, pour des voilà. Plus optiques et tout ça... Voilà, donc ça c'est vraiment un bon point positif selon moi, d'avoir ce fameux câblage, déjà là, par la longueur mais aussi par le fait de sa qualité. Donc voilà, vous avez tous compris que selon moi, et d'ailleurs selon toi aussi, je récupère juste la manette pour la faire voir à nos abonnés respectifs, donc que les manettes burn sont vraiment, selon moi, plus intéressantes à utiliser, déjà par rapport au positionnement des palettes, pour tout ce qui est jeu sur Call of Duty, même pour tous les jeux, pour tous les FPS, ça tombe vraiment agréablement sous les doigts, mais surtout par rapport au remapping, qui permet de réassigner autant que l'on veut les palettes. Après, c'est clair que le fait de pouvoir se procurer une manette vraiment personnifiée, originale, qui limite à votre goût et à votre nom, c'est quand même un très très gros plus que l'on a malheureusement pas du tout sur le site de SCUF. Donc maintenant, nous allons nous occuper un petit peu des SCUF Xbox. Là, je pense que du coup, la frontière entre la burn et la scuff sera un peu plus mince. Tout simplement parce que bah, forcément, les palettes, on ne peut pas les mettre à différents endroits. On ne peut pas non plus... Et puis surtout, scuff s'est lancé à la base sur les manettes Xbox. Donc forcément, ils ont, on va dire, beaucoup mieux étudié le produit Xbox par rapport au produit PS3. C'est pour ça qu'aussi, il y a une très grande différence entre... la scuff PS3 et la scuff burn. Ah, je l'ai encore fait. Tout à l'heure, on s'est tapé un fou rire parce que j'ai fait exactement cette même erreur. Donc vous avez tous compris. Hein. Là, je voulais bien sûr parler de la burn PS3. Voilà, on va vous parler juste après ça du comparatif justement scuff et burn au niveau Xbox. Alors, comme convenu, je vais vous montrer un peu comment fonctionne le remapping sur les manettes burn, donc c'est-à-dire pour avoir la possibilité de réassigner comme vous le souhaitez vos palettes. Alors c'est tout simple, hein. Vraiment, c'est vraiment extrêmement simple. D'ailleurs, je vais enlever le câble de manière à ce que ça ne gêne pas du tout. En gros, alors je rentre en Spetsnaz, je vais prendre une classe comme ça. Donc voilà, regardez. Là, pour l'instant, la manette, elle est paramétrée bizarrement d'ailleurs. C'est toi qui l'as paramétrée. Sûrement, ouais. Alors, là, pour l'instant, elle est paramétrée pour faire des sauts à gauche. Donc là, vous voyez bien. Là, je vais zoomer. Des sauts à gauche. Et elle s'allonge à droite. Vous avez bien vu? Sachant que moi, quand je joue, c'est l'inverse. Moi, je mets le drop shot à gauche et sauter à droite. Donc, c'est très facile. Si je veux inverser l'assignation, donc j'appuie sur la palette de gauche et sur s'allonger en même temps, pendant 10 secondes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. Donc logiquement, si j'ai bien compris le truc, voilà, vous avez vu qu'en cliquant sur cette palette là, du coup, on s'allonge
maintenant, du coup, j'ai des deux côtés, hein, je m'allonge des deux côtés. Mmh. Mais si par exemple, ici, je veux jump shotter comme je le fais habituellement, donc j'appuie sur la palette et en même temps, j'appuie sur sauter. Donc sur PlayStation, c'est X. Donc voilà, là, ça doit faire 6, 7, 8, 9 et 10. Normalement, si j'ai bien fait les choses, voilà, je saute à droite et je m'allonge à gauche. Ce qui peut être très utile quand vous arrivez au détour d'un virage, vous sautez et vous allongez et vous tirez. Donc voilà. Si par exemple, vous jouez à un autre jeu et que vous voulez par exemple, allez, un truc vraiment improbable, vous voulez paramétrer votre palette de droite pour tirer, c'est tout simple. Donc, vous appuyez sur les deux. Voilà. Donc, sur tirer et sur vos palettes de droite. Bon, ça, c'est quand même une configuration que vous ne retrouverez jamais. La personne qui veut jouer avec les palettes, tirer avec les palettes d'en bas, donc c'est soit parce qu'elle a des difficultés pour atteindre, parce que ça peut arriver, soit elle a des difficultés pour atteindre les joysticks du dessus, parce que franchement, faut pas ignorer, mais certaines personnes jouent quand même à la console et ont des petits soucis au niveau des mains, des malformations, tout ça. Mais donc, regardez, la palette me permet de tirer. Attendez, je recharge. Et voilà. Donc voilà, c'est selon moi, c'est vraiment un très 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 gros plus. Et je pense que là-dessus, Scuf a vraiment du souci à se faire. Je pense très honnêtement que cette possibilité hein, de reparamétrer vos palettes en fait vraiment un très très gros plus. Surtout que du coup, vous n'êtes pas obligé, si vous le voulez, d'acheter deux Scuf pour avoir deux configurations différentes. Avec votre seul burn, vous pouvez totalement changer votre configuration initiale. Donc voilà pour cette petite démonstration, j'espère que vous avez tous compris. Maintenant on se retrouve juste après cette petite démonstration pour le comparatif cette fois-ci de la manette Scuf et Burn au niveau Xbox. Allez, à tout de suite les amis. Allez, on se retrouve maintenant pour le comparatif au niveau des manettes Xbox entre la Burn et la Scuf. Donc comme d'habitude, je te laisse parler des Scuf, tu connais beaucoup mieux que moi le produit. Ouais, bah franchement, avec ce qu'on a dit sur les deux manettes précédentes, il n'y a pas grand chose à ajouter. Donc je vais quand même vous présenter, vous parler de ce qu'il y a, comment je pourrais dire, des caractéristiques qu'il y a sur la manette. Oui, comparé à celle de PS3. Donc c'est d'abord, vous pouvez voir, il faut bien que je montre les trigger stop. Normalement, vous devez voir la viste. Voilà. Donc qui bloque la gâchette et qui permet à la gâchette de revenir et nous permet donc de tirer plus rapidement. Qu'on peut bien sûr régler avec une petite. Je me trompe à chaque fois, je le mets là avec un petit tournevis que vous mettez là et voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà. En fait vous pouvez régler la sensibilité, la profondeur de la gâchette. Donc sinon il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter, toujours les gâchettes où on peut assigner les boutons A et B qu'on ne peut pas changer à part si on la renvoie au SAV. C'est une très bonne manette, franchement moi ça fait plus d'un an que je joue avec ce genre de manette et c'est clair que c'est une très bonne manette, mais ce qui manque hein, par exemple quand je vais jouer sur Minecraft, je suis obligé de changer de manette. Pourquoi? Tout simplement parce que à cause du trigger stop, ça bloque et par exemple je peux pas creuser ou placer des objets. Et donc je te laisse continuer. Pourquoi avec Burn j'aurais pas ce problème, tout simplement? Bah on en revient toujours à la même chose. Hein. Le problème avec Burn, disons le problème, l'avantage avec Burn, je te laisse juste me tenir le micro. Le problème avec, disons, je refais la même erreur. Non, c'est pas du tout sérieux. L'intérêt avec Burn, c'est que tout simplement. Donc déjà je vous présente rapidement la manette. Donc ça c'est une très très belle manette. Bon c'est pas personnellement ça serait pas une manette que j'aurais commandé. Ils m'ont donné celle-ci qui était très jolie hein, parce que elle est caméléon. Donc là vous n'allez peut-être pas voir vraiment la différence. Non, on voit pas très bien je crois, mais là elle est que violette, mais en fait quand vous la mettez à la lumière, elle a tendance à passer dans le vert, dans le bleu aussi je crois, non? Bleu, vert, violet, rose, enfin ça fait vraiment il y a pas mal de couleurs hein, donc c'est une belle manette, franchement, c'est qui conviendrait peut-être plus à une fille. Peut-être que je te la donnerai du coup. Oh ouais. Et du coup, donc, vous pouvez toujours vous apercevoir les fameuses palettes Burn. Sachant qu'on a oublié de le préciser, mais qu'en fait, sur le site de Burn, vous aurez la possibilité entre 4 choix de palettes. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, chez Scuf. Chez Scuf, on a un seul choix de palettes. D'ailleurs, vous allez le voir.
en bas à droite. Image, ouais. Tout de suite, je vais vous mettre une petite image où vous allez voir les quatre choix de palettes que vous avez à disposition. Par ailleurs, vous avez aussi énormément de choix au niveau des joysticks, au niveau des boutons. Tout ça, je vais vous mettre quelques photos par la suite dans ce fameux comparatif au niveau de la manette Xbox. Donc, vous allez voir quelques petites images défiler. Vous allez devoir vous dire à quoi justement peut correspondre chacune de ces images. Donc, toujours pourquoi, selon moi, et maintenant je pense que selon toi aussi, la manette Burn Xbox est supérieure à la manette Scuf Xbox, bah, tout simplement parce qu'on peut réassigner les palettes. Voilà, c'est ça, c'est là où encore la Burn fait la différence. Ce n'est pas rien. Franchement, la palette, c'est vrai que, bah, toujours, hein, moi je trouve quand même les palettes Burn toujours plus intéressantes et plus agréables au toucher qu'une Scuf, tout simplement que bah il y a une texture différente, c'est il y a pas à rechigner, hein. Vous allez voir que si vous avez la chance d'avoir les deux manettes dans les mains, je pense quand même que ça dépendra des goûts, ça se trouve il y en a d'autres qui préféreront ce genre de palette qui sont plus. Après moi je trouve juste le problème aussi sur ces palettes de Scuf, c'est que si tu la fais tomber sans faire exprès, les palettes peuvent se péter. Ah ouais, elles sont pas flexibles. Ouais, elles sont pas flexibles comparées. Bah, j'ai pu le voir tout à l'heure, même tu l'as fait tomber tout à l'heure quand on. Et c'est clair que ça aussi c'est un petit plus. Après c'est clair que c'est surtout sur PS3 qu'il y a une grosse différence entre les deux. Ouais. Sur Xbox, c'est pratiquement pareil. Voilà, à part le remappage, enfin ça se dit comme ça, le remapping. Ouais. C'est là où la Burn fera vraiment la différence. C'est au niveau du remapping. Et donc tout à l'heure le problème que Gotaga était en train de soulever, c'est-à-dire le fait que quand il joue à Minecraft et qu'il veut creuser ou comme il disait placer des objets, il ne pouvait pas le faire forcément avec ça parce que il était tout le temps, bah, en fin de compte, était obligé à chaque fois de redévisser tout ça, ça te saoulait. Bah du coup il a simplement à réassigner les palettes d'en bas et voilà, ça reste beaucoup plus facile. Sachant qu'il y a quand même un petit bémol, c'est que l'assignation par rapport aux gâchettes n'est pas encore disponible. Pour l'instant, le remappage sur Xbox, hein, le remapping des palettes est uniquement disponible pour le A, B, X, Y. Donc Burn va forcément à un moment donné s'intéresser à la possibilité de réassigner la palette pour les gâchettes. Pour l'instant c'est pas d'actualité, tout simplement parce que c'est très, on va dire, la manette Xbox est quand même plus difficile, plus difficile à modifier. Donc voilà, je pense avoir tout dit par rapport à cette Burn Xbox. Il y a aussi la possibilité comment t'appelles ça ? Les trigger stop. Voilà, qui permettent, c'est une vis qui permet justement, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir enchaîner plus facilement et tirer beaucoup plus rapidement. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Non, un truc je crois. Vas-y. À propos de la PS3, tu voulais dire un défaut. Bah pour moi c'est pas un défaut. Ah oui, exactement. Pour moi c'est pas un défaut, mais pour Karim, c'est un défaut. Donc On revient en arrière. Il va être le plus neutre possible, donc il va dire quand même ce défaut, même si c'est clair que pour moi. Bah... Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, quand on regarde vraiment précisément au niveau. Non, vous n'allez pas le voir, mais il y a un très léger jeu. C'est-à-dire qu'on peut voir. Bon, c'est pas vraiment. Regarde, là on voit quand même, non ? Ouais, moi je le vois, mais à la caméra ça se verra pas. Pour moi c'est pas un problème. Je vous dis franchement, pour moi c'est pas un problème, mais c'est clair que si on est un peu perfectionniste comme Karim. C'est surtout que quand on paye un certain prix pour un produit, on s'attend à ce que celui-ci soit le mieux fini possible. Et c'est vrai que tourner les joysticks au maximum et voir un peu l'intérieur de la manette, pour moi c'est un petit peu. Ça me rebute un petit peu. Après, il faut savoir que, comme me l'a dit le directeur de Burn, c'est disponible uniquement avec les joysticks de couleur. Donc, tu veux dire plutôt le problème est... Voilà, le problème est... Et on s'aperçoit du problème uniquement avec les joysticks de couleur. Si vous prenez des joysticks noirs, ça ne le fera pas. Mais je dois quand même avouer que sur cette manette-là, par exemple, ça ne le fait pas. C'est-à-dire que lorsque je mets les joysticks à fond, je ne vois pas du tout l'intérieur de la manette. Donc voilà, je sais pas, je sais que j'ai réussi à obtenir des burns pour chacun des membres de ma team et chacun d'eux ont pu remarquer ce petit défaut. Donc voilà, pour certains c'est un tout petit défaut, pour moi j'ai toujours tendance à un peu voir les petits détails, donc
Donc voilà, mais par contre, c'était très très intéressant de ta part de notifier ça, de manière à ce qu'on soit le plus tu as dit, juste possible. Et c'est clair qu'il faut être le plus juste possible. Moi, après, je suis un fervent défenseur de SCUF, mais c'est clair que là, surtout le, parce qu'il y a la la personnalisation. Moi, après, je suis pas trop ça. Enfin, c'est pas trop mon truc que j'ai une manette toute noire, toute blanche. Enfin, c'est pas que je m'en fous un peu, mais voilà. Mais c'est clair que le remapping, c'est très important, surtout si on joue à plusieurs jeux. Donc, voilà. Je sais que. Je pense pas que vous jouez qu'à Call of Duty, et c'est clair que sur les autres jeux, ça a un fort avantage de pouvoir changer ses touches tout simplement. Exactement, exactement. Donc voilà, je pense qu'on a été, merci, je pense qu'on a été vraiment très clair sur tous les détails qui faisaient la force ou la faiblesse de chacune des deux manettes. Je crois qu'on a tout dit. Ouais. Pour conclure, je pense que il n'y a pas d'interrogation. Hein. Vous avez bien pu voir que rien qu'avec le remapping et le placement des palettes, le confort des palettes et la personnification, forcément burn honnêtement, mais vraiment un sacré coup à SCUF. Je pense que SCUF a vraiment du souci à se faire, du moins au niveau francophone. Parce que tu sais, tout à l'heure on disait qu'ils avaient un challenger, mais ils ont tout le reste du monde. Là on a français, parce qu'on peut noter aussi un avantage de burn, c'est que ça va être français, parce que les gens, quand ils commandent sur le site SCUF, forcément ça met très 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 longtemps à arriver. Parce que toi tu l'as peut-être pas remarqué, parce que forcément ils te les ont envoyés comme ça. Mais c'est clair que quand vous êtes français, que vous voulez avoir ce genre de manette, pour certains il faut attendre plus d'un mois, alors que là, vu que c'est une société française, forcément ça arrivera beaucoup plus rapidement. Voilà, vous avez vu, hein, j'ai même pas. Pour certains qui se disaient justement, Monsieur le Vedouze, il défend burn bec et ongle, vous avez vu que j'avais même oublié de notifier ça. C'est vrai que comme burn produit, je crois, en Angleterre, pour nous les Européens, c'est parle de SCUF plutôt. J'ai dit burn, non, excusez-moi. T'es vraiment, mais hé, mec, parfait, mec, heureusement que t'es là, je pense. C'est ma première fois, moi, donc excusez-moi si je suis pas. Franchement, il gère. Donc je reprends, SCUF produit en Angleterre, et du coup, le temps d'expédition est extrêmement long. Ma toute première SCUF, je l'ai commandée sans dire que j'étais youtubeur, tout ça. Donc en étant un client lambda, ils ont mis un mois et demi avant de l'envoyer. Clem Browning, qui avait fait la même chose que moi, a mis aussi, ils ont mis autant de temps pour lui envoyer. Lorsque j'ai annoncé que j'étais Monsieur le V12 et que j'allais faire un comparatif entre Burn et SCUF, là par contre, ils ont été extrêmement rapides pour m'envoyer les. Ils ont envoyé carrément d'Amérique. D'ailleurs, il faut parler de ça aussi, parce que le problème aussi sur SCUF, enfin un problème, pas tant que ça, mais c'est qu'en fait, la boutique n'est pas la même en Amérique et en Europe. C'est-à-dire que, par exemple, là, la manette que je vous ai montrée, là, elle n'est pas encore disponible en Europe. Alors que Burn, en fait, tout le monde aura vraiment la possibilité d'acheter la manette qu'il veut, celle qu'il veut, si vous voulez une manette. Parce que ça, tu l'as pas dit qu'il y a des manettes, Monsieur V12, qui vont arriver, par exemple. Ouais, exactement. Il y aura, c'est pour ça que je n'avais pas forcément envie de vous en parler dès maintenant, mais prochainement, il y aura une manette Monsieur le V12 qui sera disponible justement sur le site de Burn. Donc, puis sachant que ton contrat se termine avec SCUF. Oui, mon contrat s'est fini avec SCUF aussi. Donc, pourquoi pas, c'est clair que là, je viens de découvrir Burn, donc c'est pas un choc, mais c'est clair que ça va me faire réfléchir, parce que bon, je suis quand même à fond sur SCUF, mais c'est clair que là, il y a quand même des gros avantages qu'on fait burn, et faut pas le nier. Donc on va voir, écoute. Voilà, donc peut-être aussi une manette Gotaga sur le site de Burn prochainement. En tout cas pour Monsieur Venus, c'est sûr. Donc si vous voulez avoir la manette que j'aurais moi-même dont j'aurais moi-même fait le design, et ben rendez-vous sur le site de Burn, pas tout de suite, à mon avis, ça va prendre un certain temps. Mais bon voilà, je vous mettrai dans la description le lien pour vous rendre aussi bien sur le site de SCUF que le site de Burn. Et donc voilà, j'espère avoir été le plus complet possible, j'espère vous avoir donné envie de dépenser votre argent. Humour, je précise. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Franchement, pas grand-chose. Je crois qu'on a vraiment tout dit là. Ouais. Je crois que je vois plus d'autre chose. Je pense qu'on a été vraiment très complet. Donc voilà, le comparatif arrive à sa fin, et j'espère que ça vous aura plu, le fait que je le fasse avec un invité. C'est vrai qu'en temps normal je le fais tout seul, mais cette fois-ci avec un invité, c'est toujours un peu plus interactif, peut-être beaucoup plus intéressant pour vous. Allez, salut à tous, salut à toi, Gotaga. Salut.